Bonjour, bonsoir, chers internautes, selon vos positions respectives sur la planète Terre. Mes amis guinéens, alors, nous voici devant un travail très très important pour la population de Cancan en général et celle de 5 francs 1 et 2 en particulier. Comme vous le voyez très bien en image, c'est monsieur le maire de Cancan, alias Colophon, lui-même qui est vêtu en rouge, n'est-ce pas, avec un képi blanc. C'est lui qui est arrêté comme ça, dans la fosse. La commune de Cancan, qui a décidé, n'est-ce pas, de non seulement mouiller les tripots pour la politique pendant les campagnes électorales présidentielles, mais aussi mouiller les tripots pour le développement de la ville de Cancan, dont il est, n'est-ce pas, le chef. Et c'est lui comme ça, en fait, qui mousse les tripots pour le développement de Cancan. Bonsoir, monsieur le maire. Comment allez-vous? Très bien. Oui, mais monsieur le maire, c'est le bon moment de vous filmer parce que nous sommes tout au début des travaux. Alors, parce que vous voulez faire du pont ici, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, depuis Cancan et Cancan. Oui. La population a été sollicitée qu'un pont soit mis. Vraiment, moi-même j'habite ici. Voilà, donc c'est des planches qui étaient là. Chaque fois, les gens tombaient dedans, les gens se blessaient là-dedans, les motos se gâtaient dedans. Donc la population a fait cette plainte-là. Donc pendant ma campagne, je les ai dit quand je serai élu, mais nous allons faire tout pour qu'un pont soit mis ici. Donc le conseil avant-hier a voté pour que vraiment un pont soit mis ici, pour que les riverains circulent librement. C'est ce que les travaux ont commencé aujourd'hui. Vous avez vu là où on doit faire les bétons de propriété, nous l'avons fait. Demain, nous allons mettre les bétons de propriété. On va amener des biches. Plus tard encore, nous allons envoyer encore des fers et tout cela pour que ça soit un pont définitif et que les camions, les motards, les piétons, tout le monde puisse passer ici à la satisfaction totale de la population. Nous sommes élus pour la population. Merci. Nous allons travailler pour la population. Et je vous remercie. Merci très bien. Merci, 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 maire. Merci, maire. Alors, ici, c'était de la passerelle en bois. Alors, l'accès était très difficile entre les deux communautés, c'est-à-dire 5 francs 1 et 2, ou bien le secteur 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'accès était très difficile. Et pourtant, c'est une rue de 24 qui va jusqu'à la route tronçon Djenekaba. Vous voyez? Alors, c'est monsieur le maire maintenant lui-même qui a la pioche avec les mains. C'est monsieur le maire lui-même qui a les pelles, enfin, en train de guider, n'est-ce pas, ses travaux. Et la population de 5 francs en est content. Et le peuple de Guinée aussi doit être content. C'est comme je vous l'ai dit tout de suite. Alors, quand nous mouillons nos tricots pour la politique, nous devons mouiller aussi nos tricots pour le développement des quartiers, n'est-ce pas? Monsieur Alamo, comment allez-vous? Vous allez bien? Merci, très bien. Alors, commune là-bas, quel est votre poste? Moi, je suis au service technique. Au service technique. Alors, nous sommes très réconfortés du fait que vous-même, vous vous déshabillez, venez mouiller vos tricots ici pour le développement de notre quartier, n'est-ce pas? Et surtout, alors, le pont que vous voulez faire ici alors, est un pont très intéressant car alors, l'excavation qui est là, avec, n'est-ce pas, coupe la circulation entre les deux quartiers, n'est-ce pas? Alors, quel est votre sentiment? Oh, bon, c'est très bien. Quand ça sera fait, vraiment, ça va, la population sera à l'aise. Merci très bien. À la saison des pluies, oui. On ne va plus craindre pour passer ici. C'est ça. Comme avant, là, quand on arrive ici, c'est le problème. Merci. Maintenant, quand on va faire les passages billets, là, vraiment, on sera, tout le monde sera tranquille. Merci très bien. Bon, alors, monsieur Konaté, après ici, alors, vous avez d'autres objectifs parce que nous, on vous en a beaucoup demandé. Alors, nous-mêmes, nous allons remplir, n'est-ce pas, les nids de poules. Mais nous avons, alors, avec nous ici, un marché en construction. Alors, qu'en pensez-vous? Le marché en construction? Oui. Ce sera la bienvenue encore. Merci très bien. Ce sera quel fonds? C'est avec C'est-à-dire, notre marché doit être récupéré, c'est-à-dire, doit être reconstruit, ou bien aménagé, parce que, voilà, c'est ça. Et nous comptons sur vous pour ça. Et j'espère que vous aurez la bonne volonté de nous aider également. Oui, s'il y a les matériaux, on pourra assister les travaux. Merci très bien. Voilà. Merci.